Donc on est parti, on va incarner Aïda et découvrir l'histoire sous un nouvel angle. On verra ce que ça donne. Donc seuls les défis liés à une autre voie peuvent être complétés dans cette campagne. Je vais faire non, j'essaie d'avoir une expérience fidèle. Donc les extras, c'est qu'est-ce qu'on a? Aucun. Tenue d'Ashley, je vais mettre par défaut. Coloration bleue, non. Je vais tout mettre par défaut. Je vais faire une expérience vanilla. Donc facile, une standard hardcore. Donc on va y aller en standard, hein, comme d'habitude. On voit un petit peu ce qui se passe du côté de Madame Wong. Donc on est parti pour ce DLC avec Ada Wong, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Parece que me toca bailar, hermano. Qu'est-ce qui se passe? Tu danses plus? Espagnol. Tes préférés, je crois. Content de te voir, Ada. La torture, c'est vraiment pas mon truc. Eh oui. Je te remercie. Tu sais, ces abrutis de moines à la con ont pris tout ce que j'avais. Y compris l'ambre? Non, je suis malin. Je l'ai caché juste à temps. Ok, tu m'y emmènes? Avec plaisir. Ok. Bon, on y... Alors, on commence avec quoi? Avec Aïda, le Black Tie AC, qui est un bon pistolet. Hein. J'en garde un bon souvenir sur l'ancien. On a un TMP. Bon, ça c'est du classique le TMP. Et son couteau tactique. Ouais, il est plutôt classe le design. La lame noire comme ça. Une grenade aveuglante, une grenade classique. Suis-moi. C'est près d'ici? Pas exactement. Alors, on va regarder un petit peu la carte ce que ça dit. Donc on est dans les cachots. C'est un lieu sûr. Pas d'ambre, pas de deal. On est d'accord? Oui, on peut explorer un petit peu. D'ailleurs, vous comptez en faire quoi? Ça, j'aimerais bien le savoir. Bon, une herbe verte, ça, c'est du. On prend. Oh lui, il a mal fini le pauvre. Alors, on fait le tour, j'ai rien oublié. Non. S'ouvre pas. Ok. Là, on peut passer là, mais je pense qu'il y a des trucs à faire là, non?
Non, il y a rien. Alors j'ai l'impression qu'il est inversé les contrôles ici. On a de la compagnie, ils nous cherchent. On passe par le toit, d'accord? Compris. Bon voyage, Luis. Arriba y listo. Oh, c'est qui celui-là? Ah bah tiens. Oh, t'as une sale gueule, va toi. chercher l'ambre. On se voit plus tard. Non! Attends, tu crois quand même pas que je vais laisser une de moi? Oh, il est chiant, ok, on a compris. Ok, on se retrouve à l'église. Et pas pour ton enterrement, hein? Bon. Ok, bon, je suppose que c'est le combat d'introduction. On va se dire que c'est ça. Bon. Ok. Oh, qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Non, c'est trop simple. Ok, j'ai ok. Enfin, je pars si j'ai bien compris. Ok, bon. Enfin, je commence à m'y faire parce que sinon. Mais non, mais comment ça se fait que mes commandes elles sont inversées là? C'est quoi de ça? Alors, ne me demandez pas pourquoi mes commandes étaient inversées. Alors, on va reculer sagement. Allez, viens là, toi. Ok, il faut le garder en visuel si j'ai bien compris. Ok, un de moins. Oh, attends, il y a un truc là. Oh, il y a du peuple. Ok, j'essaie de casser ce que je peux et de récupérer ce que je peux. Ok. Attends, j'ai tenté un move. Alors, déjà, on va se soigner. Voilà. Donc, si. Oh merde, je vais me coincer. Donc une petite astuce, hein, si vous voulez l'affronter celui-là, utilisez des grenades aveuglantes, ça fait disparaître tous ces clones. Bon, ok. Je crois que j'ai compris, il va falloir tirer dans le tas. Voilà. Bon. Bah je sais pas qui. Il a disparu. Il n'est plus parmi nous. Et c'est pas la peine de revenir. Alors je vais voir s'il n'y a pas des trucs. Peut-être des choses qu'on aurait loupées, on ne sait jamais. Je peux pas aller par là, je suppose. Pas par là. Non. Bon. C'était un mini combat d'échauffement contre lui, ça va être une de nos menaces sûrement à dégager.
J'ai oublié son nom là à lui en plus, ça m'emmerde. Donc là j'ai rien. Un peu de poudre, ça sera toujours bien. De la ferraille, c'est toujours bien. De la petite ferraille, on va préciser. Déjà, le souci, c'est qu'on est ric-rac niveau mine de pistole. Ok, il nous faudra 5 ferrailles pour 10 munitions de pistole. Ok. Donc, on a aussi le fusil à pompe qui sera dispo. Et puis, logiquement, Ida, je me souviens qu'elle avait l'arbalète dans l'original. Est-ce qu'elle l'a encore? Je ne me souviens plus. On verra bien. Attends. Il y a quoi là-dedans? Rien. Ok, il y a des petites choses ici. De la poudre. Et de l'or. Faut bien démarrer avec un peu de pesetas. Ça, c'est fait. Il n'y a pas de trésor qui traîne. Non, je ne vois aucun trésor, donc on va y aller tranquillou. Contrôle, vous m'entendez? Louis a caché l'ambre. Je lui ai demandé d'aller le chercher. Contrôle, vous me recevez? Je t'écoute. Continue. On a eu quelques petits imprévus. Et? Qu'est-ce que tu comptes faire? Louis est déjà en route pour l'église. Je suis ses moindres déplacements. Très bien. Alors tu ferais mieux de te Albert dépêcher. Wesker, effectivement. Bien sûr. Je dois juste vérifier mon itinéraire. J'ai besoin d'une vue globale de la zone. Ok, la technologie, d'accord. On dirait un détecteur des Saiyans dans Dragon Ball. Intégrant l'œil direct. Ok, donc on peut aller par là. S'il n'y a pas des petites choses dans le coin, j'ai pas l'impression. Oui, donne-moi un instant, s'il te plaît, merci. Non, il n'y a rien. Mais, hein. Ouais. Oh, c'est con, hein. Y a rien, non. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Moi j'ai mon idée, hein. Alors là il n'y a rien. Là il y a un prêtre. Ça a l'air dangereux. Je vais devoir faire attention. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on aurait loupé? Ah, voilà. C'est là que je dois aller. Reste sur les hauteurs. Tu sais comment. Ah, entendu. Mais je peux peut-être faire un peu de tourisme. Une herbe verte. Ah bah. Une petite phase de fufu. En voilà bien. Balle de pistolet en plus, ça c'est toujours utile. Et de deux. Un peu de poudre. De l'or. Bah écoute, on va tout de suite crafter des munes de pistoles. Voilà, on aura un petit stock comme ça.
On a un troisième. Trois. Encore de la poudre noire. Oh, il y a des tonneaux là. Parfait. Vraiment parfait. Une deuxième grenade. Toujours utile. Ouais. Bon. Pour le moment, c'est pas mal niveau furtivité. On est très bien. Il y en a un en bas, mais on va éviter d'y aller tout de suite. Je pense qu'il y a quelque chose derrière cette porte. Tiens, qu'est-ce que je disais? Un coffre et des caisses. Pistole TMP. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une brosse à chevalet Gant, c'est notre premier trésor de la partie. Et dans ce chapitre. De la poudre noire, c'est bien. Une troisième grenade, on prend. Je pense qu'on a fait le tour, on n'a rien oublié. Attends. Descendre logiquement si je me souviens bien ici, ouais. Ah bah tiens. Oh, une de plus dans à ajouter. Ok, il y en a. Oh bah. Oh là là, ça peut être la fête là si on fait pas n'importe quoi. Ouais. Comme ça, on n'attire pas l'attention. Ok, on va être prudent. On n'attire pas l'attention comme ça. Attention, il nous reste plus beaucoup de vie au couteau. Hein. Voilà. Je vais juste voir un truc vite fait. Je peux pas passer là, c'est ça? Ok, je reviens de là. En gros, ce que j'ai fait, ça servait à rien. Ça marche. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose derrière. Peut-être qu'on va faire le début de la campagne du chapitre en fufu. Voilà. De la grande ferraille, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Oh, je sais. Munition de fusil, ça c'est pas perdu, j'ai envie de vous dire. Oh, qu'est-ce. Non, pas un fusil. Eh. Bon, il y a de quoi faire, ça c'est bien. Voilà ce qu'il me faut. Bon, évidemment, hein.
que je m'occupe des catapultes. Ça marche. J'ai oublié de bouger. Allez, t'as un baiser de plus. Ok, on fonce. Go, go, go. Comment ça me saouler là? Reste en terre, toi t'es bien. Attends, je suis en quoi? Je suis en standard. Hein. Reste en bas, s'il te plaît. Ah, on se fait du pognon et ça c'est cool. Regarde s'il n'y a pas des petites choses qui traînent, c'est une grenade aveuglante, ça c'est toujours bien. Alors, tu vois qu'il y a un coffre. Un rubis, ce sera toujours utile pour des trésors. Ok, des caisses. Allez, hop. Voilà. Je suis à sec. Oh putain, ok, je comprends mieux pourquoi ça va pas là. Bah y a un canon en plus, bon bah ok. Allez, on va faire péter la poudre. Voilà, boum. Donc on a fait une petite affaire explosive. Boum. Ok. Bon, on va essayer de récupérer tout le matos qu'on peut. On en aura besoin. Bon, on a fait une pas mal de discrétion, je suis plutôt satisfait. Bon, à part le canon, bien sûr, ça fallait s'y attendre à un moment.
Ouais, non, on est pas mal, hein. On a du matos, on... Bon, on garde les munitions de fusil, hein. Ça va être important. J'y suis presque. Voilà. Ok, notre ami ne va pas lâcher l'affaire, hein. On le reverra très prochainement, je pense. Ah, ok, c'était le premier chapitre du scénario de la campagne Separate Ways, plutôt sympathique. On fait plein de mun et j'ai trouvé ça plutôt cool, hein, le combat avec l'un des gardes du corps de Salazar. J'ai oublié son nom, faudra que je le retrouve. Alors, on regarde un petit peu l'épisode du chapitre. Alors, vaincre 16 ennemis au couteau dans une autre voie, 10 ennemis avec des explosifs, ouais. On a fait quelques PC en plus. Alors, 18 minutes 30, 29 ennemis tués, aucune mort, 96,9% de précision, 4 attaques subies, ça va. J'espère que ça vous a plu pour ce premier chapitre du DLC Separate Ways. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.